Donc on est sur... voilà. Donc là, comme à chaque fois où on prend un deck nul, évidemment, comme à chaque fois où on prend un deck nul, les trois premières parties qu'on va faire avec le deck, ça va être incroyable. Hein, voilà. C'est toujours pareil. On fait simulacre sur les apprentis, puis on les réduit avec élémentaire, puis pef! En taux OTK. Ok. Alors évidemment, on est contre un chaman, évidemment. Le truc, il n'a pas de sens. C'est génial. Alors attendez. Ok. Franchement, c'est facile comme deck. En simulacre. Oh, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Franchement, c'est facile. Allez. Donc comme à chaque fois qu'on joue un deck comme ça, à l'arrache, on devrait gagner. Parce que j'ai envie de dire, c'est presque statistique. À chaque fois que ça se passe comme ça, on gagne. Concentration. Concentration. Rappelez-vous le guerrier OTK. C'est la saison des OTK. Allez. Franchement, j'aime bien ce deck. J'aime bien. Okay, le bloc de glace. Pif. Alors, on est contre un chaman. C'est quand même incroyable. Donc le but évidemment, c'est avant tout de piocher bien sûr. Hein. La petite pub pour Aramatim avec le mug, vraiment c'est fantastique comme ça là, bonjour. Alors regardez. Ça va être délicieux. Donc là, on pioche. On a notre draw avec Flamme de Lumière, on est toujours content évidemment. Un maximum de draw avec ce deck évidemment, on veut un maximum de draw. Hein. On veut le beau jeu, on veut le beau geste, voilà. Le beau jeu, le beau geste. Ok, il joue un chaman élément en face. Allez. Et merci à Nedriwin qui vient de s'abonner. Donc regardez. Enfin, faire des simulacres. Hein. Enfin, faire des simulacres. Les simulacrums. Donc là, on fait oracle, froid de lumière. Il y a moyen qu'on drop une 1-2 à la Zob, quoi, tu vois, la Sol Somok. Ok. Donc là, on drop une 1-2 à la Zob. Sinon, on coin. Oh non, non, c'est. Ah, c'est greedy, ah, c'est greedy, putain. Non, vas-y, on drop une 1-2 à la Zob, ok. On drop une 1-2 à la Zob. Zobalainik. Voilà. Prochain tour. On refait. Ah, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Il faut que je fasse des tweets. J'ai l'impression d'avoir découvert le fil à couper le beurre aujourd'hui. Comme on dit. Ok, donc là il jouait une version jeune évidemment, on avait compris ça. Ok. Là on vide notre main en faisant encore artificier pièce blizzard. Voilà. Vas-y, on tempo là. Comme ça on clear un peu du popo-bouge. Voilà. Là on prend un petit trade là-dessus. Comme ça prochain tour, on refait de la draw avec l'oracle de lumière. Ok. Alors le problème ça va être de faire. Le problème ça va être la perte de tempo sur les tours où on fera simulacre évidemment. Quelqu'un a dit ça et vous avez tout à fait raison. Ça va être la problématique. Ça va être cette perte de tempo. Mais là, on va pouvoir le meuler. Ça va faire d'une grande efficacité. Hein. Ça, je vous le dis, ça. Ça va faire d'une grande efficacité. Ok, dévolution. On s'en tape, mais il voulait juste vider sa main naturellement. Simulacrum. Il y en a Simulacrum qui vient d'arriver. Donc là, on fait l'oracle. Un tel, faut vraiment le garder pour plus tard. Parce que ça, on peut le faire quand on a. Enfin, je vous comprends, quoi. Quand on peut le faire avec des apprentis, quoi. Pour moins cher. Ingénieur. Okay, on a double simulacrum là. Bientôt pef, hein, bientôt. Putain, je suis hypé là. Ah, comme à chaque fois que je joue un deck nul comme ça, je suis hypé quoi, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors Kalimos, admettons. Admettons. Donc là, il nous faut les apprentis, hein, on est d'accord. Hein. Là, c'est quasiment létal là. Oh, ça va tellement plus vite que. Oh, c'est fantastique. Ok. Excusez-moi, je me hype souvent pour peu, vous savez. Je suis un bienheureux. Putain, j'ai envie d'un tel, tu vois, mais si j'ai un tel et que j'ai rien qui se pose à deux, ça fera 10 cartes en main, quoi. Ah, j'ai envie d'un tel là. Ah, j'ai salement envie d'un tel. En fait, j'ai pas envie de faire Enova et barrière ce tour-ci, quoi. Ah, vas-y, on va barrière et un tel. Il faut vraiment récupérer Glyph, Hospice ou l'Arcanologue. Ouais, l'Arcanologue, c'est bien, on peut juste le drop. Ah, c'est fantastique ça, vu qu'il n'y a plus de secret. Ça, c'est fantastique ça. Ça c'est fantastique, ça c'est fantastique. Et alors regardez, les mugs sont en vente. On a un store Aramatim sur le site.
Absolument. Mais si vous venez à la Lane Armatim, on les vendrait et ça ferait économiser les frais de port. À Paris, le 24 et 25 mars. Eh oui. Ça s'appelle Lane Armatim 2, ouvert à tous. Ça va être un event fantastique. Ah, j'adore ce deck. J'adore ce deck. Est-ce que c'est pas le meilleur deck en vrai? Alors j'ai pas trop encore compris comment ça allait se passer quand on allait le tuer, mais il paraît que ça va être sale. Donc là on fait Simulacrum. Attendez. On fait Simulacrum. Simulacrum encore. Voilà. Là, ensuite, on fait Nova de Givre. Attendez, je crois que je suis en train de comprendre comment ça marche, hein, je crois, plus ou moins. Ok. Simulacrum, Nova de Givre. Et donc là. C'est un test, hein, vous savez, on découvre. Et donc là, prochain tour, je fais ça. Ce qui fait que les deux là sont gratuites. Mais attendez, mais à quel moment je peux faire. Ah non, mais non, faut faire. Ah oui, il faudra faire ça et Blizzard du coup. Oui, non, putain, c'est quand même. C'est quand même l'enfer. Hein. Après, j'ai deux blocs, j'ai encore mes blocs, donc je suis vraiment large là. Ok, donc là, je LM plus Blizzard. Oh, j'ai même le double élémentaire, on s'en fout du double en fait. Donc là, je fais ça, zbl. Voilà. Donc là, ça coûte 0. C'est fantastique. C'est fantastique. Là, on fait Blizzard Entertainment. Voilà. Là, on fait fin de tour. Et prochain tour, on fait apprenti. Reflet de magma, Anthony. Oh, fantastique. C'est fantastique. Et là, ça marche. Attendez. Parce que là, s'il fait Radé Loyal et qu'il ramène l'apprenti, je réponds plus de rien. Attention. Ok. Oh, il a de l'armure, c'est trop marrant. Trop lol. Et donc là, selon mes calculs, je fais apprenti. On s'en fout. Antonidas, reflet. Ah, c'est fantastique! C'est comme à chaque fois que je. Chaque fois qu'on prend un deck nul, la première game qu'on fait avec, les trois premières, on gagne! Ça, c'est vraiment. C'est fait pour aller sur YouTube, ce genre de choses, hein. C'est fantastique, hein! C'est fantastique! C'est comme ça que je tombe, à chaque fois, on perd tout, mais les trois premières, on gagne! C'est quand même fantastique! Regardez-moi ça! Est-ce que c'est pas formidable? Est-ce que c'est pas le beau jeu, le beau geste? La lucidité, évidemment! Tout ça, présent! Et voilà. Ah, c'est formidable. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique ce deck. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour le rush légende de fin de saison là. Là, c'est pour le final push pour passer légende là. Genre c'est dur. Là, c'est le final push pour passer légende. Alors c'est parti. Hein. Là, on est chaud. Oh là là. Écoutons l'ouverture de Guillaume Tell. Formidable. Pour se chauffer là. Il est génial ce deck. Il est pas génial ce deck, franchement. J'ai pas raison, hein. On casse que l'intel. Alors là, c'est formidable. Allez. Ça, c'est du 100% de win rate, ça. Hein. Allez. Bim! Alors j'ai vu que Marmotte avait fait la vidéo sur YouTube. C'est pour ça que j'avais déjà vu le deck. J'avais vu la vidéo de Bertrand. Je me disais que j'avais déjà vu ce deck, tu vois. C'est pour ça aussi que, instinctivement, il m'a confié la façon de le jouer, vous voyez. Hein. Il m'a confié l'instinct pour savoir jouer le deck, vous voyez. Juste en regardant la vidéo, tu vois. Il m'a insufflé le pouvoir, quoi. C'est quand même formidable. Attends, mais là j'ai déjà deux simulacres. Oh, mais ça va être fou. Putain, ça va être fou. C'est quasiment le létal.
Elle a 1-2, on s'en branle, hein, on la jette et on fait des simulacres derrière. Franchement, la 1-2, franchement, elle est has-been dans le deck, la 1-2. Sur ma vie, la has-been est 1-2. Mais bon. Alors. Ok. Merci Dragashes, merci beaucoup. Elle est pas assez excitante cette ouverture. Alors que le barbier de Séville, encore une fois. Elle est pas assez épique pour ce qu'on allait faire là. Il faut que j'achète un. Où est-ce que je peux acheter une paquette? Pas de sorcier, mais de chef d'orchestre. Il me faut absolument ça pour mes streams. Parce que j'ai toujours envie de faire ça, tu vois, quand je fais. Où est-ce que je peux acheter une bague de chef d'orchestre? Sur Amazon, vous pensez que je peux acheter ça ou pas? Combien ça coûte? Sinon, je prends un bout de bois en soi, ça coûte pas cher. Baguette. Chef d'orchestre. Dis pas que ça coûte cher, hein, décollez pas. Hein. Et moi je veux pas du chêne, hein, moi je veux un bout de bois, ça me va. 6,70€. Oh, je vais m'en faire livrer plein parce que je suis sûr que je vais les casser. Pourquoi il y en a une qui coûte 150. Pourquoi il y en a une qui coûte 1000€ là? Attendez. Comment ça? C'est une baguette à la boulangerie. Oui, oui, tout à fait. Lol. Je peux équiper un bloc, pourquoi je peux équiper un bloc sourcier? Ah non, parce que je suis con, j'ai fait simulacre. Putain, je fumais. Allez. Oui, sinon je suis chez Tank Frère, j'avoue. Je peux aller chez Tank Frère et acheter des baguettes en vrai. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est mieux. Je vais chez Tank Frère et j'ai des baguettes. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais effectivement, vous avez raison. Sinon, je vais aller chez Ollivander. Ok, ok, le géant des montagnes. Le plan qui se déroule comme prévu pour l'instant. Que tout le monde se taise. Oh, simulacre! Oh là là, mais le joueur français qui ne perd même pas de tempo sur ses simulacres! Quand même un peu, mais bon. Oh là 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 là! Voici un abonné qui est menuisier. Je veux bien qu'on m'apporte une paquette de chef d'orchestre à la Lanarma Team. Comme ça, je pourrais faire un concert. Putain. Tu es un sorcier, Harry. Tu es un sorcier, Jérémy. Un sorcier! Putain. Est-ce qu'il ne manque plus que Anthony Das? Quand j'ai dit ça, il y a eu la musique. Et un manipulateur tellurique. Et après ce sera. Le TK qui arrive là. Ah, je fais un timing musical incroyable. Allez. Il faut bien montrer des coudes, mais c'est vrai. Comme ça. C'est comme ça. Tout est dans le coude quand on est chef d'orchestre comme moi. Vous savez, nous les chefs d'orchestre. Je vais acheter une baguette. Oh, je vais commander une baguette sur Amazon. Ça. Putain, c'est génial. Oh putain. Parce que là, attendez, attendez. Attendez un peu. Attendez un peu. Est-ce qu'on va pas tempo là, la Nova? C'est chaud de tempo, hein.
Allez, on t'aime pas la Nova. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça, c'est chaud, putain. Allez, Anto! Don Antonidas! Don Antonidas! Don Antonida! Da 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 Antotonidas, Antotonidas, donne-moi Antotonidas. Antonidas, Antotonidas, Antonidas, Antotonidas, oula, oula. Est-ce que ça peut coûter moins 2, vous pensez? Non. Très bien, pardon. Antonidas. Bon, ça peut être chaud, hein, cette histoire. Sans Antonidas, on tue jamais en fait. Ok. Allez. Attendez, j'ai 6 apprentis du sorcier là. Cependant. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai 6 apprentis du sorcier. Cependant, nous n'avons toujours pas. Je suis vraiment obligé de blizzard ce bord là. Nous n'avons toujours pas, cependant, la chance de compter parmi nous Archimage Antonidas. La caméra va très bien, vous inquiétez pas. Alors. La caméra va très bien. La caméra va très bien. Alors, on pourrait piocher un tel des arcanes également. Il reste arcanologue, il reste encore un bloc aussi. Ouais. J'adore cette musique, elle me transcende. Je suis plus moi-même quand j'écoute cette musique. J'écoute, je ne suis plus moi-même, c'est terrible. Je deviens un autre homme. Alors là, le problème, c'est qu'il a il a les gardes funestes, quoi. Et ouais, là, on a un problème, là. Il y en a combien? Le problème, c'est qu'il en a qu'un. Ok, il en a qu'un. Ok, ça va le faire. Blizzard est un bon draw. Intel est un bon draw. Oracle est un bon draw. Antonidas, c'est gagné. Voilà où nous en sommes actuellement. Ouais, ça nous fait tenir un tour de plus, quoi. On a un bloc supplémentaire, admettons. On est dans une sale situation quand même, hein. J'ai 6 apprentis, mais putain, mais j'ai fallu autant que... Non. Mmh.
T'as pas le spell pour Anto. Mais comment ça j'ai pas le spell pour Anto, j'ai reflet. Ça te suffit pas reflet comme spell pour Anto. Non mais là ça va le faire je pense, mais bon. Non c'est juste que Arcanologue était pas vraiment un bon draw quoi. C'était un draw acceptable mais c'était pas fou quoi. C'était clairement pas fou comme draw. C'était pas fou. Non, là on est bon, là on est bon, il faut juste piocher Anto. Ça fait 8 tours à peu près qu'on est bon. J'ai eu tout ça super vite. Et derrière, ça troll derrière quoi. Ok. Ah bah nickel! Oh, j'adore ce deck putain. C'est tellement. Il est trop bien ce deck. Attends. Non, on peut toujours faire ça, ça marche toujours de faire ça de façon. Tac. Faut que je trouve pour jamais me tromper, faut toujours faire la même chose, tu vois. Parce qu'en vrai, j'aurais pu poser aussi des apprentis, mais. Et voilà! Alors, évidemment, oubliez pas le mot de passe hein, pour qu'on se reconnaisse entre nous, hein, les gens de la communauté, évidemment. Hein. Oubliez pas, quand vous jouez un deck Magic Zodia, pensez à tuer toutes les créatures de l'adversaire. Voilà. Ça, c'est très important, ça. Pensez à tuer toutes les créatures de l'adversaire. Comme ça, voilà, vous aurez. On se reconnaît comme ça, vous voyez, on se reconnaît entre nous, quoi. Les gens de la communauté. Pensez à bien tuer toutes les créatures de l'adversaire, c'est vachement important, voilà. Pour montrer que vous êtes de la communauté, quoi. Voilà, c'est super important. On montre qu'on est de la communauté, et voilà. J'adore ce deck. Attendez, est-ce qu'on peut faire le 3-0 avec? Est-ce qu'on peut faire le 3-0 avec le deck? Allez. Est-ce qu'on peut faire le 3-0 avec le deck ou pas? Allez. Faut maximiser le misclic. Non mais je dis ça comme ça, quand je contre un mec qui me fait ça, des fois il misclic et je gagne la game, quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, on optimise, quoi, concrètement. J'optimisme, Carrefour. Ok. La communauté est organisée, exactement. La communauté s'organise. Alors, est-ce que c'est le même? Ok. Ce deck est absolument fantastique, en tout cas. J'adore ce deck. Il est très marrant, et je le trouve, alors... On n'a pas encore trop tac d'aggro, mais alors là, on relance toujours, hein, évidemment. On mulligan pour Arcanologue, toujours, si possible. Alors, on a deux reflets du magma. Ouais, carte importante dans la combo. Alors, si c'est du contrôle, ça va. Si on est face à de l'aggro, c'est une sortie qui est assez... compliquée, quoi. Compliquée. Ouais. Ok. C'est du contrôle. C'est pas marrant quand t'es en face. Oui, mais bon, arrêtez, hein. Pas de ça entre nous. Ouais, on va un tel, on n'est pas pressé. On va un tel, into Arcanologue, into secret. On est dans un bon spot. Le match-up semble globalement imperdable. Après, on n'est jamais à l'abri de se prendre la saloperie de Rin, hein, évidemment. Saloperie, quoi. On n'est jamais à l'abri de se prendre un truc venu du diable Vauvert, comme on dit chez moi. Le diable Vauvert, c'est une expression encore un peu utilisée par les jeunes ou pas? Moi j'aime beaucoup, hein, ouais. On salue évidemment voilà, les gens des Vosges, hein, bien sûr, hein. Voilà. Quand ils disent un petit peu le diable plus personne ne dit le diable Vauvert. Vous êtes sûr de ça? Parce que c'est quand même une jolie expression, le diable Vauvert, je trouve. On va faire ça et on va tempo l'artificier. On va en tempo, hein. Eh, on fait discard d'une mauvaise carte, malheureusement. Bon. Sinon, faut les virer pour faire le simulacre dès qu'on aura à apprendre, de toute façon. Ça s'utilise plus trop, du coup, le Diablo Vauvert, c'est ça. Hein. J'utilise tous les jours, perso. Non? Les jeux s'entendent, oui. C'est joli comme expression, pourtant, le Diablo Vauvert. Non, vous connaissez quand même de nom. Non, mais quand vous écoutez France Télévisions pendant les JO, il y a toujours Patrick Montel qui dit « Eh, Marc Raquille, qui revient du Diablo Vauvert ?» Non, quand même, voilà. Marc Raquille, évidemment, 2003 à Paris. Le 400. Marc Raquille au 400 mètres, évidemment. North Remember, hein, comme on dit. Ok. Équipons notre bloc. Je vais pas tempo Hospice parce qu'on pourra faire potentiellement un bon Blizzard Hospice tôt ou tard. Là, la problématique qu'on a actuellement, c'est que nous n'aurons pas encore. Il nous manque en fait juste les apprentis ainsi qu'Antonidas. Mais plus vite on a les apprentis, mieux c'est, car ça nous permet de setup plus vite nos simulacres avant de prendre trop de pression. Donc les simulacres, plus on peut les faire tôt, mieux c'est, de manière générale. J'ai envie de dire. Donc voilà. Alors. Allez, Anto. Oh, alors ça c'est abracadabran, ça pour le coup. C'est abracadabran. Du coup, on change un peu de stratégie. On va plutôt faire artificier Blizzard parce qu'on a nécessairement besoin ici de se vider la main pour pouvoir derrière poser notre hospice funeste.
Ouais, non, ça c'est pas mal, hein, ils nous ont juste apprenti. Une seule apprentie suffit à notre bonheur, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de plus d'apprentis, une seule apprentie suffit. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que là, on n'a pas forcément besoin d'avoir nos deux apprentis. Ce qui est important, c'est d'avoir les simulacres. Ça, c'est quelque chose qu'on a la chance d'avoir assez régulièrement. Voilà, ça met pas de pression, donc c'est tout à fait acceptable. Et on récupère une arcanologue. Bon, allez, admettons, ça fait piocher, ça fait piocher. Là, on va virer tous les trucs qui font deux, parce que dès qu'on aura naturellement. Ça va rester gelé, pour quand même prendre le trade. Dès qu'on aura apprenti, on aura envie de faire directement simulacre, simulacre. Et sur la 10 de mana, on pourra même faire simulacre, simulacre, plus le manipulateur tellurique. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, ça. C'est quoi pour toi, les jeunes? Je sais pas. Les jeunes, c'est entre 18 et 25 ans, je sais pas. Après, en dessous de 18 ans, c'est les enfants, quoi. Mais voilà. Les jeunes, c'est entre 18 et 25 ans, tu vois. Les jeunes. Après c'est les enfants, après, derrière. Ok, pour l'instant le plan se roule comme prévu. J'ai annoncé le 3-0, hein. Ça va être une nouvelle série de vidéos, ça. Le deck nul qui fait 3-0 les 3 premières games, quoi. On a eu le guerrier la semaine dernière. Cette semaine on a le mage. Ok. Je suis sûr qu'on peut en trouver un autre de deck nul qui fait 3-0. Nova, alors ça tempo, on attend toujours nos apprentis. On n'est pas mis sous pression, donc là regardez. On va être intelligent, on ne prend pas de pression. On va pas faire Nova tout de suite. Rappelle ton match. Moi j'ai 23 ans, moi. Moi je suis un Jones, moi. Ok, oui, on prend pas de pression là pour l'instant. On prend pas de pression. On peut se permettre de prendre 8 de dégâts. Il nous reste une Intel, un Oracle, deux ingénieurs. Les chances que nous draw nous donne la victoire sont excessivement fortes, extrêmement fortes. Blizzard. Voilà, Blizzard, on peut lâcher un petit Blizzard, voilà. On peut se le permettre ici tranquillement, mais sûrement, ça va ramener un garde funeste sans doute. Il pourra pas vraiment faire ce qu'il veut avec parce qu'il y a plus trop de place sur le board. Ok. Ah, ça se passe bien, j'adore ce deck. Il est absolument fantastique ce deck, c'est un vrai plaisir à jouer. Beaucoup plus plaisant que l'autre. Ok, il va quand même pouvoir faire. Si en fait il a la place pour faire ses saloperies quand même. Si, il avait quand même la place. Mais là ce qui est bien, c'est que voilà, on prend 10. Mes prochains tours, là la Nova fait qu'on va prendre aucun dégât parce qu'il n'y a plus de place sur le board. On a quand même vraiment besoin maintenant de piocher nos apprentis. Ingénieur, admettons. Allez. J'ai envie de dire. Ça tempo, j'ai envie de dire. Parce que là, on fait Nova. Derrière, on refait Nova. Je le trouve vraiment très fort ce deck, hein, blague à part. Hein. Blague à part, je le trouve vraiment très fort. Pourquoi tu ping face? Parce que ping dans une créature n'a pas d'intérêt, mais ping face, je vous l'accorde, n'a pas d'intérêt. Faut juste pas ping les 1-1, quoi, c'est tout. Mais en soi, après, peu importe où on ping, j'ai envie de dire. Eh ben, apprenti. Donc on fait simulacrum. Simulacrum. En vrai. Ben, on perd s'il a. Comment dire? On perd s'il joue manche secret. Mais bon. Ça me va. Je peux accepter de perdre si il joue en secret. Allez, je t'ai pas dénoncé par mage à lunettes. Sans doute que si après. Oui, si. Globalement, mage à lunettes défonce tous les autres mages, hein, globalement. De manière générale. Hein. Et bah, ça a l'air d'être une victoire. Hein. S'il jouera, il peut nous la mettre. Ouais, très sûrement, mais bon, il n'y a pas de drap donc. Pas de drap, pas de chocolat. Donc on fait tac. Tac. Je suis toujours pas me planter quand je fais cette combo maintenant. C'est tellement nouveau, vous savez, pour moi. Voilà. Et voilà, hop voilà, monsieur Dracula. Et là évidemment, on fait le geste hein, pour signifier qu'on vient de la communauté, hein, très important. N'oubliez pas qu'on fait partie de la communauté, hein, voilà. Alors là par contre, si on veut tout tuer, je pense qu'on n'aura pas le temps. Oh, c'est le défi. Non, c'est impossible. Non, en fait, j'aurais dû commencer par ça si je voulais tout tuer. Je suis con. Attends, mais je pourrais jamais tout tuer, là, de toute façon, c'est chaud là. Ah, ça va être chaud de tout tuer. Hein. Franchement, j'ai pas le droit d'aller face tant que j'ai pas tout tué sur le board. C'est con quand même. Putain, je panique. Oh, le panique, la panique. attendez. Merde, j'ai déjà tué ça. Attendez. Oh putain c'est chaud. Oh putain c'est chaud. Putain c'est chaud. Ok, je crois que ça le fait. Ça va, je suis en train de pouvoir Warcraft 4 en même temps, on a de bonnes APM. Donc ça va, c'est important hein. Voilà, c'est important, et là c'est un peu la signature comme quoi vous venez de la communauté française d'Hearthstone. Voilà, et que vous aimez le beau jeu, évidemment, et le fair play avant tout, parce que le fair play c'est le plus important quand on est à l'esprit e-sportif, évidemment. Donc voilà. Ah, fantastique, et ben voilà, écoutez, un deck formidable qui respire la joie de vivre, voilà, le bon vivre, le beau jeu, le fair play, la communauté, merci.